Semaine cruciale dans Tous en cuisine pour Cyril Lignac et Jérôme Anthony, il ne reste plus que quelques jours avant Noël et le jour de l'an. Le chef va ainsi donner ses meilleures idées de plats, entrées, desserts ou encore buffets à concocter pour la semaine du 25 au 29 décembre 2023. Grâce à l'émission Tous en cuisine diffusée sur M6, les téléspectateurs ont pu découvrir de nouvelles recettes à réaliser pour les fêtes de fin d'année. Cette semaine s'annonce pourtant bien différente des autres pour Cyril Lignac et son acolyte Jérôme Anthony. En effet, les deux animateurs n'ont plus que quelques jours pour proposer un menu de fête avant les premières festivités. Pour vous préparer au mieux à la semaine du lundi 25 au vendredi 29 décembre 2023, Télé Loisirs vous dévoile la liste des ingrédients à se procurer pour 4 personnes. Tous en cuisine avec Cyril Lignac, les ingrédients du lundi 25 décembre 2023 entrées, ravioles d'œufs coulants à la carbonara 8 feuilles de pâte à lasagne pré-cuite, 3 minutes, 4 jaunes d'œufs, 1 jaune d'œuf plus 5 huiles. À soupe d'eau pour la dorure 3 cuillères à soupe de semoule fine ou farine 1 morceau de parmesan 1 demi-litre de bouillon cube 30 g de beurre huile d'olive pour la farce carbonara, 2 jaunes d'œufs 3 huiles. À soupe de parmesan râpé 100 g de mascarpone poivre du moulin pour la crème de lard. 1 demi-oignon épluché et ciselé 80 g de lardon 70 cl de crème liquide 20 cl de lait entier 150 g de mascarpone poivre moulu plat, mignon de cochon façon porchetta de Noël 1 filet mignon de porc de 750 g 10 feuilles de sauge hachées 1 botte de romarin effeuillé hachée 1 botte de persil plat effeuillé hachée 4 gousses d'ail hachées finement 1 citron jaune piment d'Espelette fleur de sel, sel fin et poivre du moulin huile d'olive les légumes. 200 g de marron cuit, 1 botte de carottes de différentes couleurs cuites à l'eau bouillante 6 minutes, 1 orange coupé en quartier, 1 citron coupé en quartier, 1 quill. À soupe de cumin en graines, 1 cuillère à soupe de miel, 15 g de beurre et tout, en cuisine avec Cyril Lignac, les ingrédients du mardi 26 décembre 2023 plat. Burger de fête 2 filets de canette 4 tranches de lard paysan ou guanciale 1 oignon épluché 15 g de beurre demi-sel 1 quart de botte de persil plat 400 g de pousse d'épinards 4 pains à burger 4 quilles. À soupe de sauce barbecue ou un petit morceau de parmesan sel fin et poivre du moulin dessert, œuf au lait à la vanille et fève tonka, 6-8 personnes, 1 litre de lait entier 700 g de sucre en poudre 1 demi-gousse de vanille un fève tonka pour le caramel à la crème. 100 g de sucre 165 g de crème liquide 35 g de beurre 1 pincée de fleur de sel tout en cuisine avec Cyril Lignac, les ingrédients du mercredi 27 décembre 2023 plat, gyoza maison au poulet et saté 24 feuilles de pâte à ravioles pour gyoza 25 g de beurre doux 1 pot de sauce saté ou 100 g d'épices saté en poudre 1 quill. À soupe de graines de sésame blond quelques feuilles de coriandre fraîche 1 citron vert huile neutre et huile d'olive pour la farce de poulet. 250 g de filet de poulet haché 1 carotte épluchée coupée en fines brunoises 1 oignon blanc épluché ciselé 1 petit morceau de gingembre de 2 cm 1 gousse d'ail épluchée 2 quilles. À soupe d'herbe hachée 2 cuillères à soupe de sauce soja 1 cuillère à soupe d'huile de sésame grillée dessert, brookie coulant au chocolat pour le brownie. 60 g de chocolat au lait 100 g de chocolat noir 40 g de pépites de chocolat noir 120 g de beurre plus un peu pour le moule 2 œufs 150 g de sucre en poudre 40 g de farine 2 pincées de fleurs de sel 40 g de cacahuètes grillées et salées pour le cookie. 90 g de beurre pommade 60 g de sucre roux 960 g de farine 1 quill. À café de levure chimique 70 g de pépites de chocolat tout en cuisine avec Cyril Lignac, les ingrédients du jeudi 28 décembre 2023 entrées, tartare d'huître, crème aigre douce 300 g de pommes de terre épluchées et coupées en petits cubes 12 huîtres ouvertes 2 quill.
À soupe d'œufs de hareng ou autre poisson, 2 cuillères à soupe de tartare d'algan conserve ou une petite poignée de wakame réhydraté dans l'eau, essoré et haché, huile d'olive, gros sel, sel fin et poivre du moulin pour la crème aigre douce, 4 cuillères. À soupe de crème fraîche, le jus et le zeste d'un citron jaune, une demi-échalote épluchée et ciselée finement, 1/4 de botte d'aneth effeuillée et ciselée finement plat, poulet fermier retour des Indes, chutney de mangue, 4 filets de poulet fermier de Jean Zélabel rouge, 15 g plus 40 g de beurre, 80 g de vinaigre de riz, 40 g de sucre en poudre, 5 gousses de cardamome, 3 cuillères. À café de poudre retour des Indes d'olivier Rollinger ou un mélange d'épices, curcuma, coriandre, badiane, noix de muscade, sichuan, thym, moutarde, cumin, ou du curry, 1 litre d'eau, 100 g de lait de coco, un petit morceau de gingembre épluché râpé, quelques brins de coriandre fraîche, quelques feuilles de menthe fraîche, sel fin et poivre du moulin pour le chutney de mangue. 200 g de chair de mangue, 20 g de sucre, cassonade, 40 g de vinaigre de cidre, un clou de girofle, 5 g de gingembre frais coupé en fines lamelles, laisse tout en cuisine avec Cyril Lignac. Les ingrédients du vendredi 29 décembre 2023 plat, ravioles de foie gras à la fève tonka, crème à la truffe noire pour les ravioles de foie gras, 32 feuilles de pâte à ravioles chinoises, 120 g de foie gras de canard cru et coupé en cubes de 1 cm de jaune, 2 plus 1 cuillère. À soupe d'eau, 1 fève tonka, quelques pluches de cerfeuil pour la crème à la truffe noire, 2 oignons rouges épluchés et émincés, 15 g de beurre demi-sel, 10 cl de bière blonde, 33 cl de crème liquide entière, 15 cl de bouillon de volaille ou de légumes, 1 cuillère. À soupe de brisure de truffes noires, huile d'olive, sel fin et poivre du moulin, piment d'Espelette, dessert, comme un soufflé avec beaucoup de chocolat pour la crème au chocolat. 140 g de chocolat noir concassé, 125 g de crème liquide, 125 g de lait de coco, une tasse à café très forti prise très tôt pour les souffler, 8 œufs, séparer les jaunes des blancs, 180 g de chocolat noir fondu, 25 g de beurre fondu, 20 g plus 20 g de sucre en poudre, un peu de cacao en poudre, 4 boules de glace au chocolat.